européen sert comme du programme de surveillance de la qualité de l'eau, tout d'abord à bâtir une politique de l'eau, donc pour connaître la qualité de l'eau et de savoir quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour pouvoir retrouver une meilleure qualité, et puis de suivre donc dans le temps ces actions vers le bon état. Le programme de surveillance est un document demandé par la directive cadre, comme le stage et le programme de mesure, et les trois documents sont complémentaires. Dans le stage, on définit les objectifs d'État à atteindre pour les bases d'eau. Dans le programme de mesure, on définit les mesures pour atteindre ces objectifs. Et dans le programme de surveillance, eh bien, on suit l'évolution de l'état des eaux pour atteindre les objectifs. Les difficultés de mise en œuvre du programme de surveillance sont multiples. Tout d'abord, l'ensemble des éléments de qualité ou paramètres à surveiller sont assez importants. Le nombre d'intervenants reflète la complexité du domaine. La mise en œuvre du programme de surveillance implique un suivi important, et en particulier sur la qualité des prestations, puisque les résultats doivent être utilisés pour établir l'état des masses d'eau et participent aussi au rapportage européen sur